Sur cet écran qui éclate la rétine, nous allons commencer culte. Guilt of the Lamb. Voilà, juste pour ça. Allez, jouez. Nouvelle partie. Let's go. Voilà. C'est bon, ça s'assombrit. Ah, mince, il fait une grosse voix. Gloire à l'agneau. Ah non, attends. Gloire à l'agneau. Bête sacrificielle, machin. Car deux agneaux ne peuvent partager une seule couronne. Et voilà, j'ai tout niqué, j'étais pas dedans, j'ai cherché mes voix. Oh, c'est trop beau! Oh, mais c'est trop beau! J'adore! Oh, le style, mais le swag! Attendez, je vais mettre du rouge derrière moi. Vas-y, enfin, je vais partout là, c'est normal, c'est rouge puissant. C'est un rouge puissant. Wouh! C'est puissant. Voilà, ça enlève la puissance. Mais c'est pas puissant du tout, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'éteint. Ah, ça clignote! Ah non, rouge pulsant. Putain, à chaque fois, je sais pas lire. Voilà, ça c'est puissant. Ça c'est puissant. Voilà. Donc du rouge. Là aussi. Voilà. Oh, c'est trop rouge. Pas trop, en fait. Alors. On peut leur parler, à eux? Il a l'air tout triste, notre agneau. Oh, il est trop mignon. On me follow. Jeu développé par Massive Master. Publié par Devolver Digital. Bon, oh, et bleu, dommage. Ouais, bah j'avais pas anticipé, hein. Mais mes cheveux sont rouges. Ça va. Non, mais si je me baisse, on voit presque pas. Se mettre au sacrifice, really? Oh, les bestioles derrière, j'aime trop. Oh, mais j'adore cette direction artistique, c'est trop bien. Azuma, là. Devant nous, se tient la dernière créature de son espèce. Ami, nous avons mis à mort toutes les autres. Grâce à cette ultime sacrifice, la prophétie ne pourra jamais se réaliser. Une idée de la voix. Véridique, qui se tapit dans l'au-delà sera condamné à la captivité pour l'éternité. La vieille croyance sera protégée. C'est contre-productif de changer de voix à chaque fois, je m'en rends compte. Je m'en rends compte, mais j'ai une go XLR. Pas cool l'écran blanc, pas cool. Celui qui attend, approche n'est crainte, car bien que tu aies déjà rencontré la mort, j'ai besoin de toi. C'est stupide préalable. C'est pouvoir t'éloigner de moi, et pourtant te voilà. Je suis prêt à te redonner la vie, mais la vie a un prix. Je sais pas si ça détecte bien. Tout ce que je te demande, c'est de créer un culte en mon nom. Qu'en dis-tu? Avons-nous un accord? J'aime beaucoup les choix à la South Park. Oui, absolument. Allô, un thé? Objet de jouer avec des Ray-Ban. Effectivement, écoutez, je vais m'équiper pendant ce temps. Ah, là, c'est un peu jaune. Voilà, quand ce sera plus écran blanc, on arrêtera. Parce que j'ai en plus un spot dans la tronche. Oui ou absolument? Je vais mettre absolument. Peut-être que c'est un ni oui ni non. Non, on sait jamais. Ah, les Seigneurs des Ténèbres peuvent avoir des jeux étranges. C'est trop cool!
défoncer tous. Oh, je les ai éclatés. Attaquer, roulette. Non mais est-ce que ça se jouerait pas mieux à la manette en vrai? Ouais, allez, je vais faire la manette. On verra. Oh, oh comment c'est nerveux. Oh, j'adore. Oh, je peux péter les cadavres. On pourra peut-être trouver des trucs. Hein. Ah, on m'avait dit que le côté nerveux faisait penser à du Hades et je comprends pourquoi. Oh là là. Esquiver. Ah ouais, je peux péter les pierres. Je suis sûr qu'il y aura des trucs dedans. Je connais. J'ai pété le feu. Oh, trop cool. Oh, ça c'est un ami. C'est compliqué de faire tout. Tu m'appelleras tôt. J'étais autrefois un porte-couronne, tout comme toi. Mais cette époque est loin derrière moi. J'ai été envoyé pour te guider. Nous nous trouvons au plus profond des terres de la vieille croyance. Nous courons un grave danger. Ma mission est de te conduire au lieu sûr. La sortie se trouve un peu plus loin. Traverse ces bois et je te rejoindrai. C'est le bro! Rato le bro. Je vais péter sa tente. Ah parce que ouais, non mais moi je suis un agneau vénère. Regardez. La rage. Regardez quand il marche. Regardez ses petits yeux tout vénères. Comme ça. Let's go. Ouvrir l'inventaire. J'ai quoi? Une pièce. Très utile. L'or consume les cœurs et excite les désirs les plus fous. En moins. C'est trop vrai ça quoi. C'est trop profond. Je vais écrire sur Twitter. Une épée équilibrée qui inflige des dégâts modérés. C'est mon équipement. Je vais pouvoir changer d'équipement ça veut dire. L'agneau. Regardez comme il est trop rigolo. Il est pas trop bien cet agneau. Trop bien la biquette de l'enfer. Mais oui, je l'avais en peluche. Je pense tout le monde. Je compte le faire. Oh, tu es agneau des enfers. Ok. Je vais voir si j'ai rien à péter. Hein. C'est un truc qu'il faut que je fasse partout ça. Ah c'est d'où je viens, oui, j'ai pas fait gaffe. Les explosions. Encore une pièce. La musique est très cool aussi. J'espère que vous l'entendez. Elle est très sympa. En bas. Ah oui. Bah c'est le même symbole. Une croix à l'envers mais avec des petites oreilles quoi. Une barre de vie. Ah, une petite colombe là. Un petit oiseau. J'ai pas vu ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai chopé? Juste deux pièces pour le moment. Oh, j'ai plein de pièces. Je suis là en train de jouer à Genshin et son du stream en plus. J'explore une zone super jolie. Avec la musique de Cult of the Lamb, ça donne un côté chelou. J'avoue, un côté un petit peu angoissant. La musique est très très belle. Hein. Bon, elle est... On n'a pas goûté beaucoup pour le moment, mais j'aime beaucoup. Et dans ces jeux-là... Bon, dans quasiment tous les jeux, c'est important la musique, mais je dirais que dans... je sais pas, dans les Sims, ce sera peut-être moins giga essentiel que dans d'autres...
que dans d'autres types de jeux, quoi. Et par contre, dans un roguelike, Mastunas, exactement, ça motive. Nous sommes bientôt arrivés. Regarde, ce malheureux est sur le point d'être sacrifié. Donc, cette pauvre bête, et elle n'aurait pas d'autre choix de te rejoindre dans ton nouveau culte. De la vieille croyance, accepter le sacrifice de cet homme misérable. Et qui ose de franchir les terres sacrées en dehors de notre rituel? Ah, j'ai pas enlevé l'écho. Pas grave, je vais me battre avec un écho. C'est trop dense. Oh, faut que je les esquive bien. Et bon... Oh, un nouvel vague. Moi aussi, je vais faire des sacrifices dans mon culte. Ah, c'est un lapin, regardez, il est tout dégoûté. Regardez, il est tout dégoûté. Il est trop deg. Oh, lui, il va faire une petite voile. Oh bah non, il parle pas en fait. Je suis un peu déçue. Je vais faire cette petite voix de lapin. Il était trop deg, le lapin. On l'a trop sauvé sa race. Et je pète tout. En plus, c'est un campement de païens là. Ok. Je me tire. La musique qui incite au génocide. Il parle pas le lapinou. Ouais, c'est un petit peu déçu. En fait, il fait. Voilà en sécurité. Tu as fait du bon travail. La cour rouge te permet d'utiliser ces marques au sol pour parcourir de grandes distances en un claquement de pattes. Laisse-moi te conduire vers un vieux temple en ruine. C'est l'endroit idéal pour fonder un culte. Retrouvons-nous là-bas. Il a littéralement dit pose ta patte là en vrai, hein, en la voix du petit monstre là. Attends, je pète tout moi avant, c'est important. Ouh, regardez, c'est ce qu'il y a sur ma tête. On voit pas bien, mais sur ma tête, j'ai ce motif là. Et quand il court, il est tellement vénère. Puis quand il court pas, ça va. Quand il court, il est vénère. Pas vénère. Vénère. Pas vénère. Vénère. Pas vénère. Ah, je rentre à la maison alors. Ok. Je pensais que j'allais passer au niveau supérieur. J'ai vaincu des hérétiques! C'est fantastique, j'adore faire ça. D'accord, du coup, les croix à l'envers, c'est quand on doit combattre des missions. Le petit bonhomme, je pense que c'est quand on a sauvé le lapinou. Et pas d'interrogation, c'est quand on s'est zéba. GG, merci. C'était intense. Pas de panique, vous pourrez changer de difficulté à tout moment. Oh, je mets quoi? J'aurais aiguillé qui cherche une expérience complète et équilibrée. Je vais demander qui cherche à relever le défi. Oh là là, je vais peut-être regretter. Recommandation des développeurs. On va peut-être faire la recommandation des développeurs en vrai. Franchement, les développeurs disent on vous recommande normal, je me fais en normal. Postapatla, le lieu sacré qui était autrefois mien. Désormais, sous ta responsabilité, petite vieille ruine. Pourquoi je dis petite? Cette vieille ruine est sur le point de départ de ton nouveau. Est le point de départ de ton nouveau culte. Je lis très mal. Un peu moins de résonance. Nous avons du pain sur la planche. Commençons à enrôler cette pauvre âme et à l'accueillir dans son nouveau foyer. Les adeptes peuvent collecter des ressources pour toi. Ordonne à celui-ci de ramasser du bois ou de la pierre. Il était rose, hein. Il est plus rose. Pourquoi t'es plus rose? Viens, prie, pitié. Bruno, dis mon nom.
On peut choisir son apparence et tout. Bah, Breno, c'est bien. Ah non, mais non, je peux l'appeler comme l'un de vous. Je vais appeler Hanté. Quand on aura quelque chose qui ressemblera à un lion ou un grisy, je mettrai Grision. Alors. Voilà, ça c'est Hanté. Alors, ensuite. Voilà, je fais de l'apparence. Ah, mais je peux choisir. Mais c'est bien le lapin. On va laisser le petit lapin. Je fais de la couleur. À faire un petit rose. En fait, c'est surtout qu'il était rose dès qu'on l'a chopé. Du coup, je comprends pas pourquoi il a changé de couleur. Oh, ça, c'est trop hanté, ça. Alors. Croyance. Obéissant 10% de foi en rejoignant le culte. Cynisme. Gagne des niveaux 15% plus lentement. Ah non, c'est chiant. Moins 10 de fou en tombant malade. Oh non, c'était germophobe! Moi! Youpi! Tout à fait. Il montre un fil arrive ou l'extra vieille ruine. Je sais pas pourquoi j'ai lu vieille. Je sais... Enfin, j'ai lu. Non, petite vieille ruine, voilà, j'ai lu ça. Oui, tu sais, vieille ruine, bref. Qui existe pour servir l'autre. Bienvenue dans le culte. T'es trop kawaii, wesh. Mais oui, t'es trop kawaii, là, regarde ça. On a envie de te faire des pipous. Ça veut rien dire. Je fais pas de tirage au sort, tu fais différemment. Ah ouais, moi je fais selon celui qui m'inspire. Après, bon, je pense que j'aurai assez dans... Pour ceux qui parlent dans le chat, j'aurai assez pour tous vous nommer. Le prochain, ce sera Grision, c'est normal, en plus c'est son anniversaire. Mais là, je pensais que du coup, fallait que j'attende d'en trouver un qui corresponde bien. Alors attendez, elle sera Bûcheron du coup, hanté. Je pensais qu'il fallait que j'attende d'en trouver un qui ressemble à un grizzly ou un lion. Non, Trapil n'est pas une vieille ruine, j'ai pas dit ça. Grâce à toi. Oh, ça fait une voix stylée en vrai. Grâce à toi, notre culte dominera le monde. Mais tes adeptes ne peuvent pas se contenter de prier pour vivre. Ils doivent manger. Rassemble les ressources nécessaires et construis un feu de cuisine. Cela te permettra de préparer des repas pour tes adeptes. Mais une fois cuistot là, une fois Fernand Angélus dans ma team, il cuisinera pour tout le monde. Alors il me faut combien? De quoi c'est quoi? Il me faut 2 de pierre et 5 de boa. Bah je vais chercher des pierres. D'un côté elle fait du boa. Ah faut que je reste appuyé? Oui c'est ça. Oh trop mignon le côté craft là, je trouve ça trop cool. T'as trouvé du bois? Parlez hanté. Ah, on a que un de bois, ouais, bon je vais l'aider. Je vais couper déjà les trucs qui sont tout pétés là. C'est bon, j'ai assez. Ah, je peux choisir de le mettre où je veux. Bon, je vais mettre ça ici. Maintenant, faut que je construise. Ah, trop cool! On peut lier ma partie à Twitch? Mais je savais pas. Oh, attends, je savais pas. Mais je connais pas ça, moi. Mais j'ai accès au moins à ça. Si au niveau de société de votre culte en haut à gauche de l'écran est trop faible, vos adeptes pourraient mourir de faim. Non! Vous pouvez trouver de la nourriture dans les donjons. Pour cela, privilégiez les routes passant par des lieux de récolte. Vous pouvez également construire une ferme en plantant des graines achetées ou ramassées dans les donjons. Fameuses graines de donjons. Attendez. On apprend un truc là. Donc peut-être dans accessibilité. Dans jeu, hein, tout simplement. Mais dans jeu, il m'a pas proposé.
Tu dois avoir accès. Mais comment ? C'est pas certains qui ont accès à ça ? Et moi, je vois pas où c'est. Ah, connexion Twitch ! Pardon, c'était juste derrière moi. Excusez-moi, excusez-moi. C'est juste derrière ma caméra. Attendez, je me connecte à Twitch. Connect my game. Oh, ça va être trop cool ! Ah, faut que j'active la Twitch extension. J'espère que ça va fonctionner en plein live. Hein. Configurer. Ok. Totem reward. Ouais, je fais ça avec du free. Est-ce qu'on peut faire ça avec des bits aussi ? Attendez, je configure ça tout de suite là pour que vous puissiez faire. Désolée, je savais pas. Je suis pas du tout renseignée sur le jeu. On m'a juste dit plein de fois, vas-y, vas-y, prends, ça va être trop bien. Twitch Totem, il setup correctly. Ok, alors n'hésitez pas à refresh. Je vais refresh moi. Je vais voir si ça fonctionne. Je sais pas si ça fonctionne en plein live. J'ai un peu peur que ça marche pas tout de suite, tout de suite. Dieu a mis fruit aussi. Comment ça apparaissait sur son écran ? Sur Agilo ? I need to know. Ah, c'est bon, t'as trouvé ? Oh putain, ça marche ! C'est incroyable ! Attendez. Oh, trop bien ! Ça marche ! Ah, trop cool ! Eh, j'ai trop contente. Nos spectateurs peuvent dépenser des points pour remplir la barre de totem. Lorsque cette barre est pleine, vous recevez une récompense. Lors des événements, aider ou entraver. Oh, vous pouvez choisir de m'aider ou pas. Les spectateurs pourront voter pour vous donner un bonus ou vous punir. Organisez un tirage au sort pour créer votre prochain adepte. Le vainqueur décidera de son apparence, de son nom, et sera toujours affiché au-dessus de lui. Et son nom sera toujours affiché au-dessus de lui. Mais trop bien ! Oh, c'est trop cool! Mm-hmm. J'aime trop le design du jeu. Il faut tellement que j'ai... Mais ouais, il est vraiment trop cool. Effectivement, on peut... c'est le genre de truc qu'on peut jouer avec le partage Steam. Hein. Si vous connaissez quelqu'un qui est sur Steam, vous pouvez faire le partage familial. C'est légal, il n'y a pas de tous. C'est cool. Ok. Papy veut me pécho, tout à fait. Mais comme nous tous en thé. Je plaisante, je plaisante. C'est une blague. Je plaisante. Attendez, je vois plus mon stream. Voilà. Enfin, je voyais plus surtout le stream en direct. Du coup, vous pouvez agir. Il y aura des événements où vous pourrez m'aider ou pas. C'est trop cool. Oh, mais il est trop beau cet arbre, je vais pas le couper. Ah, il faut que je collecte des baies. Ok, let's go. Toujours attirer les personnes plus âgées que moi, c'est relou. Eh, je suis un peu plus jeune, moi. Bonsaï. Maintenant, nous devons construire un hôtel. Mais d'abord, nous devons réunir plus d'adeptes et collecter des pièces. Pour ce faire, il suffit de mener des croisades dans les terres de la vieille croyance. Notre protecteur, celui qui attend, a été emprisonné par les quatre prélats de la vieille croyance. Chacun d'entre eux est le gardien d'une chaîne qui le garde captif dans le royaume de l'au-delà. Nous avons réussi à ouvrir plusieurs passages vers leur royaume. Il est de ton devoir de les traquer et de les tuer afin que notre protecteur puisse être libéré. Parle dès maintenant. Là-bas, tu trouveras des pièces et de nouvelles recrues volontaires. Et si elles ne le sont pas, tu n'auras qu'à les convaincre par la force. Les mains sont styles à lui. Sacrifie-nous. Alors vous avez récupéré des totems, mais est-ce que moi je vois quelque chose sur l'écran quand vous récupérez des totems? Parce que pour le moment je vois rien. J'ai pas envie que ça se récupère pour rien. Faut peut-être que je relance ma game. Quoi qu'il y a écrit, voilà, il y a écrit que je suis connecté et tout, donc bon. Je peux pas le traquer et massacrer ton perso, garde son sourire tout pipou. Ouais, le seul truc qui énerve c'est de courir mon perso.
Tu verras quand tu auras le totem. Ah d'accord, ok. Bon bah ça veut dire que c'est normal si rien ne s'affiche à l'écran alors. Ça me rassure. Récolter des baies. Oh y'a un caca. Dis-toi mon caca. Si l'environnement de votre culte est insalubre, vos adeptes tomberont malades. Si un adepte est malade, forcez-le à prendre du repos ou il pourrait mourir. Rester au lit lui permettra de se soigner. Les excréments, le vomi et les cadavres... Il y a du vomi dans le jeu. Accélère la propagation des maladies de votre, dans votre culte. Pensez à faire le ménage et à enterrer vos morts pour protéger vos adeptes de la maladie. Enter. Oh non, je vais laisser faire. J'ai laissé couper du bois là à fond. Je vais m'en aller. C'est quoi ça? Ouais. Hein. Merci Body Brumage. Merci beaucoup. Oui, maître. Elle est à fond. Je suis à fond, maîtresse. Elle est trop forte. Merci beaucoup, petite Remage, pour ton 3e mois d'abo. Merci. Merci, merci. J'espère que tu vas bien, que ton mois se passe bien. Merci beaucoup. Vos adeptes déposent les ressources ici. Ok. Bon, écoutez, faut qu'on mène une croisade. On va mener une croisade. J'espère que tu vas bien, petite Remage. Toujours là. Même si moins souvent. Oui, mais même moi, hein. j'ai pas stream pendant un petit moment, là je reviens, mais... Je nous la gueule, maîtresse. Vous êtes des tarés. Vous êtes des tarés. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il y a plein d'araignées ici. Je vais aller ici. Oh, mais c'est site 1 sur 12. 12, plutôt. Waouh. Ah, je peux aller dans cette porte-là. Et là, alors, je peux y aller? Ah, 9. Ok, il me faut 9 d'adeptes. Bon bah on va aller aux boissons, pour moi ça me va bien. Ça vibre de fou. Regardez, même quand il marche tout doucement, il vénère. Oh mon seigneur du mal, c'est le plus pipou de tous. Que tu as bien profité, ça fait plaisir que tu sois revenu. Bah oui, merci beaucoup. Ah, c'est aussi, c'est pas que parce que j'étais en vacances que j'étais pas là, c'est aussi parce que je devais bosser beaucoup. Je suis contente d'en avoir presque fini, j'en ai pas fini encore. Mais ça me fait très plaisir de revenir. Et puis ce jeu est extraordinaire. Lire, vous êtes le lire avant. Arrivé sur les terres du prélat Léhi, ceux qui se détournent de la vieille croyance seront anéantis. À la battre! Petit terrain d'entraînement. Moi je coupe tout. Let's go! On y va! Ah, j'ai de la vie. J'avais pas de vie tout à l'heure. J'ai perdu un cœur. Des bas. Oh, j'ai eu des bas. Et en plus, quand je coupe de l'herbe, ça me donne des ressources. Mais raison de plus pour tout péter, bordel. Je vais tellement le faire à chaque fois. Écoutez, cette petite mélodie, là, elle est fort sympathique. Oui, j'avais suivi ça sur Discord. Ah, merci de contribuer au totem. Vous pouvez participer. Et toi, ça va, petit miam? Let's go! C'est vraiment très cool qu'ils rajoutent des features avec Twitch comme ça. Dans un jeu de ce genre, mais c'est... J'aime trop. Il faut que je cherche des pièces. Mais j'ai qu'un cœur et demi, non? Faut que je fasse super gaffe, hein. Ah mince, je voulais esquiver, j'ai pas réussi. Oh non! Et voilà, j'ai perdu cœur. Ah, j'ai eu un cœur. Ok, on peut en trouver dans les coffres. Ça, c'est bon à savoir. Le décor est si splendide!
encore une fois la musique quoi. J'ai l'impression que ça peut interrompre quand je tape des fois. Et là ça l'a pas fait par exemple, donc des fois quoi. Qu'est-ce que j'ai eu? Oh, 28 pépites d'or. Il me faut des pièces d'or. Ouais. Et des adeptes. Faut que je pécho des adeptes. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. Gloire à l'agneau qui se verra confier de grands pouvoirs. Je vais faire un peu moins. Voilà, comme ça. Le grand pouvoir. Pour libérer celui qui attend dans l'au-delà. Voici ce que les cartes m'ont montré. Il y a plusieurs vies de cela. Ou est-ce un événement à venir? J'ai tiré tes cartes maintes fois, l'agneau. Et pourtant, c'est une première. Pourtant, ces cartes, j'en tirerai une nouvelle à chacune de nos rencontres. Les cartes t'octroieront alors un pouvoir. Quel pouvoir, c'est un mystère. Et pourtant, une vérité établie. C'est aux cartes de décider. Waouh! Un cœur offert, une promesse tenue. Ok, et ça, double les soins reçus. Ah, plus un cœur un petit peu à la Binding of Isaac. Je vais prendre le cœur en plus. Le destin a parlé. M'écouteras-tu? Par contre, il y avait écrit une promesse, genre je dois faire un truc. Désolé, je pète tout, c'est une habitude. Oh, je vois 20 coups. J'adore mon chat qui est parti en roue libre, j'aime beaucoup. Je veux tellement cette biquette en peluche. C'est exactement ce que j'ai dit, je la veux aussi. Je crois que je vais me commander ça. Elle est magnifique. Bon glouglou, maîtresse. Bande de fous. Alors là, je choisis. Ressources, ça c'est quoi? C'est récolte? Je vais prendre ce chemin-là, on va voir. Ah, du coup, je chope plein de bois, c'est ça? Oh, trop cool! Même la maison, je peux la péter? Je peux pas rentrer dedans? Non. Bah, je la pète alors. Si je peux pas rentrer dedans, je la pète! Ah, couper, c'est mieux. Même quand il coupe, il est tout vénère! Il s'éteint! Ah, des trucs que je peux pas couper. La petite herbe basse comme ça, je peux pas les couper. Peut-être récolter, remarque. Non, bon, c'est bien. Je peux revenir là? Ah non, je peux pas, sinon je serais bien revenu pour aller là. Bon bah, on va au boss alors. J'ai pas eu de cœur nouveau. Enfin, j'ai eu un nouveau cœur, voilà. Un nouveau container rempli, ça c'est cool. Mais j'ai pas eu de nouveau heal. Bon, on va voir. Ouais, je me disais, ça a pas l'air fini là. Oh, ça s'énerve, ça s'excite. Ah, je suis embarquée. Non! Comment est-ce possible? Agneau, toi et toute ton espèce avaient été sacrifiés. Pourtant, tu te tiens là devant moi. Quelle arrogance insupportable. Cette couronne, son pouvoir. Non! Mais je suis plus fort que toi, minable agneau. Pars tant qu'il est encore temps. Il est trop vénère, j'aime trop. Ah, j'étais prête à le défoncer là, j'aurais dit qui? T'en fous. Oh bah top. Ah bonjour. Et bah encore, très bien. Je me soumets au car. 10% de chance d'infliger des coups critiques, c'est bien ça. Réfale la carte. La carte du monde. Oh, c'est trop bien.
Vu qu'il me faut adapt et thune, je vais prendre Raven la carte. Parce que c'est ça le but de cette run. Mais la bouille de cette biquette, mais oui. Destin s'exprime à travers des cartes, nanananana. Tu l'as déjà dit, bro. Alors la map elle est en haut à droite maintenant. Effectivement ça fait très binding. Putain je vais casser du feu. Bon, et ben on monte. Je sais pas si ça me sert à quelque chose finalement de révéler la carte parce que j'ai l'impression que je suis un peu vers la fin. Enfin, je sais pas. Ah, c'est quoi ça? Ça va m'attaquer. Oh, une épée! Ça me croise à... Oh, mais tout de suite, bien sûr! Sneaker. Je prends. Ah, c'est un conteneur en plus. Les cœurs. Cœur noir ou les cœurs blancs quoi. Cœur noir plutôt. En banning. Ok. Bah là-haut c'est un boss. Mais c'est en jaune, ça veut dire que je suis déjà allé. Bon, je sais pas, je vais aller là. Adapte. En tout cas, ça sert à quelque chose de tout péter et ça, j'aime beaucoup. Nouveau goal life, devenir une biquette. Suis tes rêves hantés. Ah, c'est mes crayons, maîtrise. Oh, oh, ça, c'est un gigant mécréant, ça. Ton aventure s'arrête là, jeune agneau. Mes adeptes sont prêts à tout pour me satisfaire. Peux-tu en dire autant des tiens? Tu sais pas à quel point, bro. Je me sacrifierai pour votre cause depuis cinq guides. Par le sang des êtres supérieurs, détruis la couronne rouge. Amun... De quoi? Amdoun... Je peux te dormir. Amuzia ou Amdouzia? Ah si, Amdouzia. Attends! Faut que je tue les Zad. Voilà. Non, 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 je me coince. C'est bon. Oui, je m'en vais. Ah, oh, c'est mon nouvel adepte du coup. Je t'en relais un max. Je vous en prie, ayez pitié. Laissez-moi rejoindre votre culte. Je suis Valé. Aidez-moi, tout vos enseignements. Oh. Oh. Yeah. Alors qu'est-ce qu'on prend? Graines de buisson de baie. Baie. Pas d'apparence adepte. Bon bah évidemment le plus important, l'apparence. J'ai toujours eu le sens des priorités. Aucune idée de ce que je fais. De quoi vous parlez? Ah oui d'accord t'as Mikuzaki, j'ai aucune idée de ce que ça fait mais let's go. Alors je sais pas ce que ça fait un totem, mais je sais qu'apparemment c'est bien, vous pouvez m'aider à en avoir. Vous avez obtenu l'apparence adepte. Oh titane. C'est un petit Kuzaki. Oh full moula et un nouvel adepte. Trop bien. Je suis ravie. Et c'est pas fini alors? Ah non, c'est pas encore fini hein! Viens à nous! Viens à nous! Retour à la base! Moi c'est fini! Tu veux le faire aussi, Cult of the Land? Cult of the Lamb, pardon, Grisou. C'est vrai que t'aimes bien les roguelikes, toi. Oh, j'ai tué 37 ennemis. Ah, c'est bien. Regardez tout ce qu'on a eu. 50 pièces, 28 pépites, 3 baies, un truc de viande, 28 touffes d'herbe, 28 troncs, un adepte.
un petit caillou. C'est super bien. Cool, les gagnants sont Sea of Thieves. Là, tranquille. Sympa. C'est le bon moment pour jouer à Sea of Thieves. Vous êtes tout tranquille. Bon, T, elle a tout viré niveau bois. Tu es encore en vie. Attends. Tu es encore en vie. C'est impressionnant. Tu as même réussi à convaincre quelqu'un de rejoindre notre troupeau. Accueillons cette nouvelle recrue avant de poursuivre notre travail. Bienvenue dans le culte de l'Oxotérien. Bon, enrôlez la recrue. Mettez-moi rejoindre. Je suis ravi d'être bientôt vous enseigner moi. Alors, tirage au sort d'adeptes. Vas-y, je fais le tirage au sort, donc ça va tomber sur l'un de vous, c'est ça? Bon, c'est le tirage, attendez, on va tester. Comment vous faites pour... Attendez, annulez. Comment vous faites pour participer? Comment vous faites pour participer au tirage au sort? Parce que vous pouvez participer, mais j'ai aucune idée de comment. Attendez, je vais essayer. Dans le chat, faut faire un truc sûrement. Attendez. Avec des cailloux. Contribue tout totem. Mais c'est tout? Comment vous faites? C'est quoi la commande? Participant. Ouais, mais y a quoi une... Je sais pas. Il me dit pas le jeu. Attendez. Ah merde, je voulais aller dans les menus, mais je peux pas. Une pop-up sur ton stream. Je vois pas la pop-up. Bon, c'est le tirage. Vous avez vu un pop-up? Moi, je vois pas de pop-up, hein. Confirmation de tirage, ouais. Non, mais j'ai pas relancé. Mais non, mais vous avez pas de pop-up. Oh non. Oh, je suis dégoûtée. On sort les Bernator. Lancez le tirage. Attendez, je fais un petit refresh et je vais relancer. Je tente des trucs obscurs. Hop. En plus, je peux même pas revenir. Je peux même pas aller dans les menus avant. Rejoindre le tirage sur le stream. Oui, j'ai bien lié parce que vous pouvez faire le coup du totem. Après, fallait peut-être que je relance ma partie quand je l'ai fait. Oh, ça me dégoûte. Ça me débecte. Après, je l'ai fait en plein live. Non, mais vous avez pas de pop-up. Vous avez pas de pop-up, je ne sais pas non plus. Save et relance, ouais. Mais là, je peux pas quitter. Donc pour celui-là, écoutez, je vais l'appeler Grision et puis voilà. Voilà. Par contre, choix d'apparence. On va choisir un truc qui a un rapport avec un Grision. Ce serait plutôt ça. Ou ça. Non. Choix de la couleur vers marron. Choix de variation. Comme ça. Il est obéissant et germaphobe. Bah dis donc, ça a peur des... Ça a peur des germes. Je vais sauvegarder, on va relancer. Lui du coup il va faire le mineur. Alors attendez. Sauvegarder. Aide, je vais regarder vite fait. Pas beaucoup d'aide en fait. Bon, en tout cas, il y a bien écrit, vous voyez pas vous, mais en dessous de ma cam, il y a bien écrit Lox TV déconnexion, donc c'est-à-dire que je peux me déconnecter. Je vais quitter. Et je vais relancer le jeu de ce pas. Parce qu'il faut peut-être faire ça. Massive Monster. Ça m'énerve, je vois pas OBS, voilà. Oui, d'accord. Manette recommandée, Tracor. Ah oui, c'est vrai. Désolé.
Ah, c'est trop beau. Alors. Voilà, il n'y a rien par rapport à Twitch. Mais j'ai peur qu'il faille que je lance le live. Ça me saoulait, mais bon. S'il faut, je le ferai. Hein. Je sais pas après, ça va marcher. Tes dettes te peuvent soit travailler, soit prier. Ah non. Soit prier. Les adeptes qui sont en train de prier génèrent de la dévotion que tu pourras ensuite récupérer. Pour pouvoir récupérer la dévotion, il te faut un hôtel. Alors, suis-je bien lié? Il écrit, je suis bien lié. Mais je sais pas comment m'en rendre compte. Faut que je construise un hôtel. Coût 30 gold, j'en ai. Je mets au milieu, évidemment. Ah, ils viennent m'aider! Ah, là, il y a du Twitch! Yo, Fire! Mais ça, habite tout! Voilà un hôtel. Voilà un nouvel adepte. Assigne-le à l'hôtel pour qu'il commence à prier. Récupère ensuite la dévotion générée par tes adeptes pour déverrouiller de l'inspiration divine. Regardez, il y a une barre au-dessus du truc Twitch. Ah, on va essayer de faire le truc aléatoire avec lui. J'espère que ça va marcher. Ouais, ça m'a rendu dans le ah. Ok, je vais lancer le tirage. Est-ce que vous avez un pop-up? J'ai l'impression que ça marche zéro, hein. Oh, c'est lui, pain 6 au 6, chocolat 6. Vous avez pas eu de pop-up, hein. Je suis sûre qu'il faut que je relance mon live. Oh, ça me dégoûte. Pourquoi? Oh, je sais pas, en fait. Il y a une extension installée. Bah, je l'ai installée. Mais c'est vrai que je l'ai pas vue, après. Extension. Je vais vérifier, hein. Attendez. Elle est dans mes extensions. Activée. Ah, elle était peut-être pas active. Elle était activée, mais pas active. Ouais, c'est bizarre. Attendez. Oh, c'est bon. Je suis sûre que ça va marcher. Attendez. Attention. Oui. Ah, ça me ravit tellement. Ça va marcher. C'est bon, vous pouvez faire des trucs. Vous pouvez cliquer. N'hésitez pas à cliquer. Quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'un pop-up? Le truc qui apparaît sur ton écran actuellement à la place de ma tronche. Et tu peux accepter, ça ne t'engage à rien. Ça me permet juste d'avoir des participants à mon culte. N'hésitez pas, vous allez quand même... Du coup, vous allez choisir l'apparence de mon... De ma recrue. Avoir d'un témoignage pour deux fois plus de bonheur. Tout à fait, tout à fait. Mais oui, non, mais en fait, j'avais l'extension, elle est installée, mais j'avais pas elle n'était pas active sur l'overlay, en fait. C'était totalement ma faute. J'attends encore quelques secondes. Ah, je suis trop contente, c'est trop bien. Je suis ravie. Il a fait piquer le pied, alors que j'ai mes chaussettes. Cherchez l'erreur. Ouais, mais si tu marches sur un porc et pique, chaussettes ou pas, ça pique. Et participer, mais je suis dans le jeu. Mais participe quand même, on s'en fiche. Je sais pas comment ça va se passer, alors de toute façon, c'est un tirage au sort. Attention, 3. Moi, ce que je veux, c'est voir un petit peu ce que ça fait, en fait. Déjà. Et du coup, bonjour à ceux qui sont arrivés, que j'ai peut-être pas dit bonjour. J'étais concentrée dans mes trucs, en tout cas. Si j'ai pas dit bonjour, désolé. Attention, je vais terminer le tirage maintenant. Un témoignage a gagné le tirage. Incroyable. Comment est création d'un adepte en cours? D'accord. Mais comment du coup elle le crée? Ah, elle le choisit peut-être sur son écran Twitch. Ah, si c'est le cas, c'est trop marrant. Voilà. Ah, trop bien. Alors, juste veux savoir ce que c'est. Gagne de la foi lorsque de meilleurs abris sont construits. Moins 5% de foi lorsqu'un adepte est sacrifié. Ok. C'est quelqu'un de sensible. T'es truqué. Comme quoi. Question gastronomie, je vais lire ça.
Du coup, je l'ai envoyé prier. Collectez de la dévotion grâce à l'autel, vous finirez par débloquer de l'inspiration divine. Plus vos adeptes prient, plus elle se remplit. Ils ne prieront plus si l'autel est plein. Débloquez les constructions via l'autel. Une fois que vous avez collecté de l'inspiration divine, eh bien oui, des nouvelles constructions, c'est comme ça. Je comprends. Regardez, c'est vous qui avez permis, qui avez rendu cet autel mieux. Enfin non, pour le moment non, faut remplir la barre. Et quand ça sera rempli, contribution 7 sur 10, c'est beaucoup. Je peux collecter de la dévotion, mais pas tout de suite, on va attendre un petit peu quand même. Ah mais, quoi ça, par terre? Oh non, c'est rien. Ok. Est-ce qu'ils ont de la bouffe? Oui, ça va. En haut à gauche, ça va. Et des oiseaux. Ah, j'ai un grand terrain, quand même. Il est trop vénère, mon truc. Wouah, j'ai tout petit. Un témoignat. Du coup, on la voit. On voit un grand témoignat. Ça y est, biquette russe. On voit bien ton pseudo, en plus. Oui. Ouais, ouais, c'est vrai que par contre, le... Quand ça... Ah, je peux lui parler. Non, reste à prier. Tu pries vachement bien. Non. Ah, je voulais pas miner, moi. Je voulais récolter les baies. Voilà. Du coup, il y a assez de nourriture, on est d'accord. Qu'est-ce que je peux construire d'autre? Bah rien, pour le moment. À quoi qu'il y a d'autres onglets? Non, j'ai rien. Ok. Cuisine. C'était dur. Bon, y a un petit plat qui est prêt. C'est pour vous, les adeptes. Allez. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Collecter de la dévotion. Ah bah d'accord, je vais le faire. Oh! Non, j'ai rien dit. On se parentait qu'il faut que je parle. Faut que je fasse quoi déjà? Ah oui, à récolter comme ça. Waouh! Inspiration divine débloquée. Collecter de l'inspiration divine. Temple. Parcelle agricole. Sac de couchage. Temple. Faut que je clique sur temple, peut-être. Ah oui, d'accord. Le cœur de votre culte permet de prononcer des serments et de réaliser des rituels. Oh, mes questions d'astronomie. Que j'ai foutu. Elles sont là. Du coup, je peux construire un temple, c'est ça? Ah oui, c'est ça. J'ai pas assez de pierres, mais j'en ai pas un qui mine des pierres normalement. Bah dis donc, Rizou. Je vais aider un peu au caillou. Il m'en faut combien? 5. J'en ai 5 là. Alors le temple, où est-ce qu'on fout? Je vois bien genre en face de ça. Je sais pas, je trouve que ce serait un petit peu intimidant, j'aime bien. Là. Et du coup, on va construire. Oh là là, ils sont trop mignons. C'est un petit peu l'Animal Crossing sataniste, en fait. T'as plein d'animaux autour de toi qui t'aident à faire des trucs qui sont tout mignons. Et qui parlent bizarrement. Merci pour tes thèmes. Le temple est le lieu crucial où tu pourras prononcer des serments pour gagner en puissance. Tu pourras également y accomplir des rituels pour influencer l'esprit malléable de tes adeptes. Tu dois à tout prix maintenir la foi de ton culte. Si elle est trop faible, les adeptes pourraient se rebeller et quitter le culte. Tes adeptes sont tous oui. Montre-leur quel genre de guide tu veux être. Tu veux être plutôt. Prenons un serment. Depuis le temps. Oh, je vais prononcer un serment. Oh, mais waouh! Ah ouais, je vais. Ça résonne un peu dans un temps. Ouais, je vais mettre comme ça. Alors. Prononcez des serments pour vous nourrir de l'énergie de vos adeptes et renforcer le pouvoir de la couronne rouge. La foi de vos adeptes vous permet de gagner en puissance. Ça, on a vu ça. Prononcer des serments vous permet d'obtenir de la foi qui vous sera utile pour débloquer les pouvoirs des armes et des maléfices. Les adeptes avec un niveau de fidélité important génèrent plus de dévotion. Plus vous aurez d'adeptes fidèles, plus vous débloquerez de nouveaux pouvoirs rapidement.
Trop cool! Eh ben, le cœur des fidèles. Let's go, on débloque ça. C'est quoi culte thème? C'est le culte au milieu, mais pour le moment, je sais pas à quoi ça sert de l'améliorer. Parce que je commence tout juste le jeu. Mais je pense que ça va m'aider à avoir de nouveaux bâtiments. Et récolter plus de foie aussi, je pense. Ça me permet de me nourrir de l'énergie des adeptes et de renforcer le pouvoir d'un couronne rouge, on a déjà vu. Ok. J'ai déjà prononcé un serment aujourd'hui. Impressionnant. Tu as ça dans le sang, je commence à comprendre pourquoi tu as reçu le rôle de Dieu porte-couronne. Pour guider ton culte, tu dois adopter des doctrines afin que tes adeptes t'obéissent. Retourne dans les terres de vieilles croyances et cherche des fragments de pierre de commandement. Tu pourras ainsi adopter de nouvelles doctrines. Tout à fait, let's go! J'aime trop ce jeu. Alors, et du coup voilà, c'est ce totem-là, vous allez bientôt réussir à l'améliorer, parce que la barre elle est presque remplie. Pendant ce temps, j'ai une question gastronomique qui a été demandée. Je fais ça de ce pas. Ah bah tiens, on avait commencé celui-là. Ouais, bon ça c'est nul. Qu'est-ce que le tout rond? En un seul mot. Qu'est-ce que le tout rond? Bon, on va chercher des doctrines alors, let's go. Ce jeu est fantastique. Je retourne dans les terres. Le cousin de Pacaré. Ton cul du coup, bah j'en ai pas encore. Ils m'ont pas proposé de le faire. Donc je pense qu'il faut que quand j'aurai mes doctrines, je pourrai me faire un nom à mon culte, je pense. Je vais nommer mon culte. Un gâteau, un truc rond. Ah, j'ai des infidèles. Ok. Petite hache cette fois. Mon arme est aléatoire alors. Ok, ok. Ah, c'est plus long mais pas mal. Comme souvent. Le turon. Ah ouais, peut-être, pardon. J'ai peut-être mal lu. Non, le turon. C'est écrit au U, hein. Oula. Waouh. Waouh. Choisi de t'entêter bêtement, jeune agneau. Quelle imprudence! Je lis dans tes mensonges et je sens ta peur. La couronne rouge s'est réveillée à nouveau. Mais quelle créature indigne d'un tel pouvoir! Elle me fout la pression, elle, hein! Oh, la musique est trop. La musique s'est vénère d'un coup. C'est moi ou ça? Le son a augmenté? Ouais, hein! C'est lent, très dur. Mais je reste les petits mobs, quoi. Ouah, la musique assez énervée. Ouais, le touron avec deux airs. Une charcuterie? Alors, je vous dis ça tout de suite. Je crois que personne l'avait. C'est basque. C'est un nougat. Merci pour le totem. Vous êtes trop forte. Alors, le touron. Une friandise de miel et de pâte d'amande d'Espagne et du Pays Basque. Voilà. Miel et pâte d'amande, c'est pas mon truc. Non mais le son a augmenté d'un coup. Vous me dites si c'est trop fort pour vous. Moi j'ai baissé un petit peu pour moi. Je vais en baisser encore. Je vais en baisser un tout petit chouille pour vous. Tout petit chouille. Vous me dites si c'est trop fort encore. Bon. Lix avait raison. Ah, j'ai pas vu. Un nougat. Bah, nougat, Tout à fait, quoi. Is ok, merci.
que j'arrête de... En fait, je colle trop les mobs quand je les tape. Du coup, bah, je perds la vie. C'est vrai que dans beaucoup de jeux, la plupart du temps dans les jeux comme ça, je préfère les âmes rapides. Mais il y a toujours des builds sympas avec des grosses haches. Alors, même truc, on va descendre. Il faut que je trouve des bouts de pierre. Ne sommes-nous pas dans tous les pions d'un même jeu de hasard? Je sais plus si j'avais fait cette voix. Alors... L'araignée inflige des dégâts de poison aux ennemis que vous frappez. Ça, j'aime bien. Au moins, t'as chance de trouver des coffres intéressants. Je vais prendre l'araignée. Je vais tester un petit peu le côté attaque. Le destin parler, l'écouteras-tu? Non! Dites personne! Trop vénère! Faites tout ici! Non! Non! Forêt! Il y a aussi une sorte d'horloge en haut à droite. Je sais pas à quoi ça va me servir. Ah, te voilà. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Celui qui attend est satisfait de ton travail et souhaite t'accorder un pouvoir de la couronne. Y pour viser. Oh, ah oui, ça fait... Mais ça fait Hadès de fou, quoi. Désormais, lorsque tu tueras tes ennemis, tu pourras récupérer de la ferveur. Ramasse-la pour charger tes maléfices. Ah oui, d'accord. Elle est injustifiée. Merci, Zoutan! Mais quelle raid énorme, merci beaucoup! Merci! Merci beaucoup! Le loot, toujours le loot! Mais oui, évidemment! On ne joue pas, voilà. On ne joue pas depuis 40 ans comme moi sans aimer le loot. Merci, bienvenue à vous! Salut, seigneur de mine! Salut, Minergo Chama ou Charma? Chama! Hello, Boubou! Hello, Coquette Crust! Suis toi, espèce de beauté! Mais comment tu vas, BG? Au féminin, évidemment. Salut, Enki du Sama! Alors, comment être gentil, tuto? Ah, dans Cult of the Lamb, on. Je sais pas si on est très gentil. Bonsoir Yaya. Hello Cromlech. Et bonsoir Satambre. J'aime bien Satambre. Oui toi, je testais le jeu Soon. Franchement pour le moment j'adore. Là ça fait qu'une heure que je suis dessus à peu près. Il est sexy le jeu. Ah il est très sexy. Il est très sexy dans la manière de jouer. Très sexy dans le fait, dans la DA hein, qui est effectivement extrêmement excitante. Et en plus, bah, la participation qu'il laisse, je savais même pas trop qu'il y avait le chat qui pouvait participer. Et si. Et du coup, c'est trop bien. Comment se porte ton culte? Bah, pour le moment, il est en cours de construction. J'ai même pas de nom encore. Il t'a fait des papillons dans le bidou. Ah, j'ai envie de dire qu'il me met des paillettes dans ma vie. Merci beaucoup, c'est vraiment super sympa. N'hésitez pas à passer voir Soutane d'ailleurs en témoignage, je te le dis, toi qui joues à Genshin, Soutane. C'est juste une craque à Genshin Impact. Du coup, n'hésite pas à passer la voir. N'hésitez pas à passer la voir, elle est fantastique. Elle stream en plus beaucoup, beaucoup. Vous avez beaucoup de contenu grâce à elle. Et elle répond à tout le monde. Elle donne des conseils à tout le monde. Elle teste pas mal de jeux. Elle a fait beaucoup, beaucoup. Enfin, fait beaucoup de Genshin aussi. Donc, allez-y. Bon mix entre du Isaac et du jeu de gestion. Ouais, c'est ça. C'est vraiment du Isaac. Et le gameplay est plus Hades, par contre. Du coup, plus dynamique. La belge la plus bretonne. Quand t'es belge, non, je vis en Belgique, mais je suis pas belge. Je peux pas me prétendre belgique, de belgerie. Voilà. Elle est douce et onctueuse, exactement. Mais Oxygen Not Included, j'ai pas testé. Mais par contre, les builds et la manière dont on gère son... ses améliorations, la manière un petit peu aussi dont les maps s'enchaînent, ça va faire plus Isaac. Mais par contre, le gameplay, ouais, fait pas mal Hades. Tu t'y plais? Bah pour le moment, il est trop bien. Ah oui, en Belgique? Oui, ça va, je me plais bien. Je retournerai peut-être en France. Je sais pas quand. Don't Starve, c'est pour le côté un peu gestion. Mais oui, Oxygen Not Included, j'avais pas testé.
Je sais que c'est les mêmes, mais voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Drapil, pour la bocado à Soutane. Merci, merci, merci. Il joue sur Twitch et la console kiff moyen. Ah bon? À deux reprises, ça a crash sur les gros boss. Alors que j'étais en plus. Oh. Il est sorti par la bite, celui-là. Merci pour le follow, cette ombre. Merci beaucoup, bienvenue. Merci, Trapil, pour la bocado. Merci beaucoup. C'est bon à savoir, ça. Et salut à toi, Olé. C'est ça. Holy Cospeak. Je pense que j'ai très mal dit, désolé. Holy. Holy Cospeak. Je sais pas. En tout cas. C'est bon à savoir. Parce que je me disais justement que ça jouerait vachement bien à la Switch. Mais si tu me dis que ça crache. Ça me fait un peu peur. Je suis sur PC, moi. Ça va récupérer quand vous tuez des ennemis. Permet de ravitailler vos maléfices. Du coup, je viens d'avoir un nouveau pouvoir. Qui est. Oh, mince, faut que je récupère vite. Voilà, faut que je récupère ça. Qui est ça. Oh punaise, le recul que ça me fait, je trouve ça très rigolo. Je vais essayer de me recharger full et on va passer à la suite. Bon, pour le moment, j'ai une arme assez lente. C'est pas ce que je préfère, mais on n'a pas trop le choix, c'est ce que j'ai pu comprendre. Et la musique est très sympa aussi, je trouve. Parce qu'elle a un vrai cachet, un vrai style, quoi. Bon, moi, j'y connais rien en musique, mais je trouve qu'elle a... Voilà, qu'on n'est pas sur du basique au niveau de la musique. Je pète tout, c'est important de tout péter. J'ai gagné quoi? J'ai oublié, je sais pas. On s'en va. Regardez. Oh, qu'est-ce que j'ai? Obtenu sol en or. Pour une base qui en jette. Putain. Du sol en or. Oh, mon temple sera tellement bling bling. Bon, ça a débloqué un truc pile poil derrière moi. Désolé, je n'ai peut-être pas très bien placé ma cam. Oui. J'espère que tu vas bien, dit Zoutane. C'est vraiment adorable. Est-ce que je prononce pas ton pseudo depuis des mois? Écoute, moi j'ai des... Salut Silence! Il y a un viewer dont j'ai toujours confondu un L et un I, et du coup j'appelle Vendis et Vendels. Merci Seigneur 2000! Bienvenue à toi! Merci beaucoup! On peut faire quoi en tant que commu? Alors vous pouvez... Il y a des événements, pour le moment j'en ai pas eu. Mais où vous pourrez choisir de m'aider ou pas. Enfin, vous pouvez choisir d'aider le streamer ou pas. Désolé, j'ai pas suivi trop les messages. Et ensuite, vous pouvez choisir, une personne va être prise, une personne participant à un tirage au sort pourra être choisie pour modifier l'apparence d'un adepte et donner son nom à cet adepte. Du coup, bah voilà, genre, et on voit très bien le pseudo en plus, c'est ça qui est cool, il est très bien mis en avant. Et vous pouvez aussi choisir de m'aider à upgrade mon culte en donnant des points au totem. Et en le faisant passer un niveau. Pour le moment, vu que je commence tout juste, je sais pas ce que ça va faire, mais je crois, de ce que j'ai pu comprendre, que ça me permettra d'obtenir de nouveaux bâtiments en faisant ça, et probablement d'avoir des points de ferveur, en plus, qui m'aideront à gagner en puissance. C'est ce que j'ai compris, mais vraiment, vu que je découvre encore le jeu montre doucement tout ce qu'on peut faire. Donc voilà. Et là, je vais aller chercher un adepte, et vous pourrez choisir son apparence et choisir son pseudo. Et oui, ça va. Et bien, je suis ravie. Oh, il est tout vénère. Va falloir que je le tape, je pense. Écoutez. C'est tout mort. Comment je peux faire ça à nouveau? Arrivez-vous à percevoir l'obscurité de mon âme? Mais comment t'as pu? Je dirais, joins-toi à moi. Eh, hey, merci. Guide. J'ai juste essayé de dire ça. Bon bah voilà, j'ai un nouvel adepte. Vous pourrez choisir un petit peu parce que son apparence sera modifiée selon ce que j'ai déjà débloqué. Pour le moment, j'ai pas non plus mis les apparences différentes, mais j'en ai quelques-unes. On peut en débloquer. Vous pourrez choisir sa tronche et lui donner votre pseudo si vous êtes tiré au sort. On fera ça juste après.
Ça l'a calmé direct. Ouais, je lui ai juste dit, bah viens. Et dit, bah d'accord. Merci, bro. Je t'en prie. C'est simple, hein, la vie, finalement. C'est simple. Merci pour les points de totem. On va voir ce que ça fait, hein. J'espère vraiment que ça sert pas à rien. Quoi, ça? Voler de la dévotion. Bah, je vais faire ça tout de suite. Après avoir rasé. Voilà. Ouais! Je peux le casser? Oh oui, je peux. Oui, oui. Ça me donnait de la pierre. Et ça, c'est bien. Et ça m'a rechargé aussi au niveau... Oh, il se reconstruit! Attendez. Je vais regarder si je peux farmer ici. Non, ça me redonne plus rien. C'était bon à savoir. Seulement, je t'ai recruté comme ça aussi. Non, toi, t'as été libéré. J'ai pas compris, on a qu'à parler russe. Alors oui, il parle un petit peu bizarrement. Je suis pas très 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 fière. Et c'est des tons là. Mince. Le destin seul choisit le tirage des cartes. Alors, donc les cartes, c'est mon build en gros. Hein. Les maléfices consomment 25% de moins de ferveur. Donc les maléfices, c'est mon tir à distance tout simplement. Ou de la vie. J'ai pas vu dans quel état j'étais. Mais vu qu'on vient de débloquer les maléfices, on va essayer de voir un petit peu ce que ça fait. Regardez ça. Le destin a parlé, l'écouteras-tu? Non, je peux tout chez toi. Non. Bon, là, il n'y a que de l'herbe à péter. D'habitude, il y a des feux et tout. Petit. Mais voilà, le petit agneau est tout vénère quand il court, mais quand il court pas, il est bien. Alors, quelle voix? C'est quoi cette voix? Il y a bien... Non, je vais faire aigu. Il y a bien des siècles. Il y a bien des siècles, les terres étaient peuplées par les dieux et leurs nombreux adeptes. Que reste-t-il de ce royaume jadis prospère? Hélas, c'est la nature des bêtes de ce monde d'oublier et des dieux d'être oubliés. Peux-tu être... Peut-être sont-ils partis. Peut-être sont-ils plongés dans un sommeil éternel. Peut-être ont-ils dévoré et été dévorés à leur tour. J'essaie de comprendre ce qu'il dit. Ou ce qu'il dit. Ceux-ci sont restés... Ceux qui sont restés tissèrent des toiles entre ce monde et le leur. Merci à Louis. Bienvenue à toi, merci beaucoup. Il y a bien des siècles, etc. D'accord. Merci. Ramasser des fragments de pierre. Bah, il m'en fallait. Alors, laquelle? N'importe laquelle? Je pense que je vais pouvoir enfin nommer mon culte. Après, on fera un film de culte. Pardon. J'ai trouvé assez de ma fragment pour ériger une pierre de commandement. Oui. Les pierres de commandement servent à adopter de nouvelles doctrines pour votre culte. Utilisez le Delt pour adopter une nouvelle doctrine quand vous érigez une pierre de commandement. Oui. Et ben on va rentrer à la maison. Si je peux. J'ai pas coupé. Désolée, je faillis à ma mission. Ah, dans le texte de dialogue, ton choix était dans une autre langue. What the fuck? Excuse-moi, j'ai lu le message très tard. Ah! Ah! Mais non, mais c'est vrai que j'ai mon truc à distance là. Mais c'est super! Pourquoi je n'utilise pas ça plus moi aussi? Et j'ai pas l'habitude, je viens juste de le débloquer. Bah allez. C'est quoi ça? Tiens, pas le temps. Écoutez pas, elle a rien dit les autres. Merci Othémonie. Ici, bref. Ça sent le culte par ici. Tu pues du culte. Ah.
J'aime cette vanne. Ah mince, j'ai voulu faire mon truc. Tiens. Je vais péter le truc, ça. Voilà. Et voilà, exactement, hémoglobine d'art. Pardon, pardon. Je suis adulte. Ah ! Ah ! Ah ! J'esquive ! Oh, il y a une bébête. Regardez, vraiment, il est trop vénère. Quand il est... Alors, quand il bouge pas, il est tout heureux. Beaucoup de live, je pense, pour venir maintenant. Je suis à beau. Je dois partir des eaux. Merci beaucoup, Seigneur de Mille, c'est adorable. Merci, merci. Encore le merci, Soutane. La meilleure. Oh, ça, on le savait. Boah. Rejoignez mon culte. Merci. Une stream aussi raffinée. J'ai fait un clip. Lame de croisade. Est-ce qu'on prend alors? C'est plus rapide. Mais j'ai déjà testé. Franchement, je vais garder ma petite hache. Je vais essayer de... De battre un boss avec ma hache. On va voir. Merci pour les points de totem. J'espère que ça sert un truc. Oh! À côté de la dévotion, c'est bien. Inspiration divine débloquée. Alors ça, ça me permet de débloquer du coup des trucs. Quand on me dit ça, ça veut dire que j'ai débloqué... Alors des nouveaux trucs pour mon camp, j'ai l'impression. Donc accessoirement pour mon culte. Ah! Attends! Ah, je suis pas prête! Ah! Ah! Oh oui, c'est que j'empoisonne mes ennemis! C'est fantastique ça! Tiens. Ah, que si je suis au cac! D'accord, si j'envoie des petits trucs, ça empoisonne pas les ennemis. Non mais elle est bien, la hache, je vais quand même... continuer. Moi des trucs! Moi des trucs! Ok. Bon. C'est le même symbole, donc ce sera de toute façon un fight, je pense. Encore! On va tirer, hein, on va arrêter de. Attaque tout ce qui se trouve à l'écran lorsque vous subissez des dégâts. Ah! Oh! D'accord! Ça peut être bien ça pour un boss. Autant de demi-cœur supplémentaire. Non, bah non, je vais prendre le truc qui attaque là. On va voir. Je me fais encore toucher assez régulièrement, donc. Eh, mes cœurs ils sont affichés différemment, non? Moi des trucs! Moi des trucs! Regardez. Ah, je peux voir toutes les cartes que j'ai débloquées. Ah. 10% de chance de bloquer les dégâts reçus, mais c'est bien ça, je veux ça! Eh, je me tire. Donc en fait, non, la croix inversée, je sais pas ce que ça fait, mais. C'est pas ce que je pensais. T'es empoisonné. Je vais mourir. Tiens. Oh. Un cœur en plus. Alors, des modes de difficulté, je suis en normal. Il y avait écrit conseillé par les développeurs. Mais moi, je suis leur conseil. Mais vous pouvez faire ça en facile, normal, difficile et très difficile. Oh oui, du coup, ils ont tous subi des dégâts. Du loser. Chiant. Oh. Je vais devenir déjà une déesse. Et malgré tout le respect que j'ai pour toi, Morrigan est bien plus redoutable et dangereuse. Non, moi je vais dans la douceur et dans la manipulation. Plus de subtilité par ici. Un jour tu y viendras. Mais je comprends. Tu es un adepte rare. Tire de feu. Maintenez et relâchez. À la marque pour créer une explosion. À la marque, mais quel bouton? Ah, mais c'est ce que j'ai déjà en fait. Ah, à la marque, c'est celle-là. Bon, je sais pas en fait. Bon, je relâche à la marque, mais quelle marque? Je peux annuler? Je peux pas annuler, c'est chiant. Bon, je vais arrêter puisque là je dépense mes trucs. C'est un très beau culte. D'accord. Ah, j'ai plus de. Non, je peux plus envoyer.
je connais pas encore les boss alors voilà, je l'empoisonne un peu. Comme ça, c'est bien. Oh, il va vite! J'attendais pas ce qu'il aille aussi vite. Non! Oh, il va de plus en plus vite, ce foiré! Poison là. Ah, c'est mon nouvel adepte. Un nouvel adepte. Viens là, le machin. Let's go. Nouvelle apparence d'adepte. Pépite d'or ou baie. Évidemment, toujours le physique. Oh, une apparence fâche. C'est officiel. Moi. Merci beaucoup. C'est bon, on va pouvoir avoir une nocturne. Éviter les bouboules, ouais, mais c'était dur de l'éviter lui, il sautait vachement. Bloqué. Et ben on se casse. C'est fou! Moi trop chou, mais oui! Ça va être fantastique. Hérétique vaincu. Ça fait beaucoup de cul. Attends. Grosse voix. Excellente. Je ne me suis pas trompé en t'épargnant, en te désignant porte-couronne. Je surveille chacun de tes mouvements. Ne me déçois pas. Ça valait le coup de configurer Mako XLR. Gros boss, on va vaincu. GG. Tu joues depuis longtemps, hein, Louis? Moi, je découvre, hein, donc t'as des tips. Oh! Oh là là, Antel est trop vénère! Moi. Honorable kid! Le culte grandit de jour en jour, il est temps de lui donner un nom. Merci! Le culte loxotérien, évidemment. Je vais l'appeler. Ah voilà. Oula, terrien. Pas de hache, loxotérien. Le temple loxotérien en fait. Ça c'était un délire que j'avais il y a longtemps en stream, il y a très très longtemps quand j'étais sur Minecraft. Voilà, le temple loxotérien. C'est de là que vient l'image quand je suis en live que certains ont déjà vu plusieurs fois. Donc, c'est obligatoire que je l'appelle comme ça. Le culte loxotérien. Le temple loxotérien, parce que c'était bienvenu au temple, machin. Depuis hier, merci à la jeune influenceuse Jill qui m'a influencé à le prendre. Mais oui, mais j'ai vu plusieurs streamers et streameuses dessus et bah, je comprends pourquoi. Donc, let's go! Le temple loxotérien. T'avais dit. Ça sonne bien. Ok. Elle était trop vénère et élue en mode hey, oh. Bon, merci Twitch, regardez, c'est vous qui avez fait ça. On peut recevoir des... Ah d'accord, en fait le totem me donne des récompenses. Ah, oh, une récompense aléatoire. Ah non, d'accord, vous donnez des récompenses, vous donnez des ressources et tout. 12 pierres. Ok, c'est pas mal. Oh merci. D'accord, vous me donnez des récompenses. C'est trop bien. Ok, est-ce qu'ils ont à bouffer? Oula! Attendez, on va leur faire à bouffer. J'ai assez d'ingrédients là pour le faire? Oui, on va faire ça.
Ils restent là les trucs? Ah voilà, ils viennent manger. Venez magie, venez magie. Alors il va falloir que j'aille au temple. Alors on va enrôler une nouvelle recrue, vous allez pouvoir participer. Tirage au sort de l'adepte. Attention, vous allez voir une pop-up. Maintenant je pense. Je vérifie. Oui! Vas-y, je fais rejoindre le culte. Je vais voir si je peux me rejoindre dedans moi-même. Merci Minergo Sharma. Pourquoi je dis Sharma? C'est Shama, c'est simple pourtant. Mon tips à moi, c'est de focus plus sur ton culte que faire des donjons juste pour combler certaines. Et faire des donjons juste pour combler certaines ressources pour craft. Ok. Tu joues en normal aussi? Vas-y, je peux pas participer. Ah oui, t'as déjà gagné, du coup tu peux pas participer. bah t'es déjà en double. Il y a déjà hanté, parce que je savais pas en fait qu'il y avait l'extension, du coup j'avais juste écrit hanté. Et après, bah, hantémonia. Quand tu perds des plantes dans les donjons, le temps tourne encore et les croyants évoluent encore. Mais oui, d'accord, je savais pas trop comment ça se passait. Donc peut mourir, ne plus croire en soi, etc. Ah, ils peuvent aussi mourir les... nos adeptes. Genre, il peut se passer des trucs dans le camp qui font... Ah bah oui, les maladies et tout, bah oui. Il peut juste être Minargo. Oui, c'est vrai, on se connaît bien maintenant. T'as pas le pop-up? Peut-être qu'après, il y a des trucs qui font que si t'as désactivé des pop-up, tu les vois pas. Parce qu'on peut, je crois, désactiver ça. Oui, je suis en normal. Ok, moi aussi. Ça marche pas sur tel. Ah, peut-être. Ah oui, ça m'étonnerait pas. Les adeptes peuvent mourir. Mourir de vieillesse. Oh non, trop triste. Ok. Bon, vous êtes 11, c'est pas mal. Attention. Du coup, la personne qui sera tirée au sort, je crois, pourra choisir, donnera son pseudo et pourra choisir elle-même sur son PC. L'apparence. Attention. J'ai fait B. J'ai fait B, je suis désolée. Excusez-moi, on recommence. J'ai fait une rapide. Désolée. Non, mais là, je fais pas B. Excusez-moi, c'est parce que c'est... Vous avez bu? Oui, de l'eau. Ah, vous êtes là, c'est bon. Oui, j'ai fait annuler. Ça va, je... Je sais... Une catastrophe. Ah, ça va, ça fait rien. Et c'est l'extra qui a gagné un tirage. Le tirage. Pour le nouvel adepte dans le culte. Ah là, on le voit, il est en train de modifier et tout. Ah, trop marrant. Ou alors c'est aléatoire. Ce qu'on voit. J'aime bien cette apparence. Qu'est-ce qui se passe? T'as échoué au Louis? Fantastique! Accepté. Oh, j'ai pas vu! Mince! Je crois qu'il a qu'un malus, le petit Lix. J'ai certes battu le boss, mais la salle est restée verrouillée. Ça arrive, ça? C'est normal? Ou c'est un bug? Alors, bûcheron mineur prié. Eh ben, il a pas de bonus de prière. J'ai pas regardé. Je vais faire minage parce que c'est plus... Oh, il est trop vénère. Attends, Lix, je peux te parler? Interagir. Trouve un plat et le manger, non. Travailler. Et là, je choisis, ok. Alors, je fais constructeur. Non, mais miner. Oh, il est trop vénère, hein. Ah, j'ai encore une recrue. Vous pourrez participer de nouveau. C'est vrai qu'on en a eu deux. Attention, c'est parti. Moi aussi, je vais participer. Et oui, on en avait deux. Pour ceux qui ont envie. Bug, je pense. C'est la troisième fois que j'ai ce coup-là. Ah, quand même. Oui, quand tu bats le boss, ça ouvre forcément la porte. Ne pas faire B. Oui, non, mais en fait, je crois que c'est parce que j'ai fait A, mais j'étais sur annuler. Désolé. C'est compliqué. Ok. Attention. Je suis tout rouge. Oui, j'ai vu. Terminé le tirage.
Et ça fait un Angelus qui a gagné le tirage et qui peut faire son petit agneau. C'est beaucoup trop pipou ce jeu. Oui, mais là le jeu me fait un beau doigt. Oui, c'est chaud quand même. En plus, le boss avait l'air très dur. De ce que tu disais. Je vais avoir que des biquettes avec des cornes. Bienvenue! Alors, faut que je regarde. Oh, il a quoi sur la tronche? Oh là là, il y a des boss. Génère de la dévotion plus lentement. 10% de fois en jeûne occulte, 10% de fois en tombant malade. C'est terrible. Bon, en tout cas, toi, tu vas pas prier. Ça va être un adepte tout mignon, JPP, mais j'y peux rien, tout est mignon dans ce jeu. Oh, ils font dodo! Collecter inspiration divine. Alors, oh, je peux débloquer des sacs de couchage ou des parcelles agricoles. Je vais faire sac de couchage. Je pense que ce sera bien. Il s'abîmera moins facilement? Moins rapidement? L'adepte? Ça me permet de faire en sorte que mon adepte s'habille moins... Oui, d'accord, effectivement. Fausse commune. Je peux pas faire passer l'agricole encore? Non, j'ai pas encore. Ok. Voilà. J'ai de l'inspiration divine, du coup, je peux faire ça maintenant. Voilà, on a des parcelles agricoles. Oh, le campement de malades qu'on va se faire. Pack agricole. Poste de fermier, CEO à grains. Ok. C'est incroyable. Juste incroyable, hein. Mais quel concept de fou. Construire. Je peux construire, du coup, des nouveaux... Bah oui, je peux construire des lits. Ah, quand même, hein, ça coûte un peu. Je vais mettre où les pieux? Envie qu'il gêne. Je vais mettre ici. Ici. Voilà. J'aurais dû y mettre sur un côté, hein. Mais je peux marcher dessus, donc c'est pas très grave. J'avoue, c'était peut-être pas le meilleur endroit où les passer. Ah, je vais leur attribuer des lits, ce sera mieux. Non, non, non. Voilà, comme ça ils ont chacun leur lit, il y aura pas de baston. Oh, ils sont trop contents d'avoir un pieu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de sermon. Faut que j'en fasse un, je pense, mais là ils font dodo, je vais peut-être pas le faire maintenant. Ah ouais, y a personne qui me prie. T'as pas une bestiole? Ah oui, ça me donne de la ferveur. Non, vas-y, fais dodo. On va attendre qu'il se réveille et je vais quand même le motiver un petit peu, là. J'ai pu cliquer sur une option que tu pourras débloquer. Et ça a compté. Oh, GG. D'accord. On va faire un petit sermon du matin. Sermon couronne. Améliorer et débloquer de nouveaux pouvoirs. C'est un serment pour nourrir d'énergie vos adeptes et renforcer le pouvoir de la couronne. Je vais faire ça d'abord, parce que j'ai l'impression qu'il le faut là, pour renforcer un peu. J'ai une couette, maîtresse, je pourrais avoir un doudou. C'est toi le doudou. Cœur des fidèles. Maléfice de la horde. Arme maudite. C'est quoi ça? Débloquer 3 nouveaux maléfices à utiliser dans le donjon.
On me trouve dans les donjons. Vous donne une chance d'empoisonner les ennemis que vous attaquez. Ah, mais il y a déjà une carte qui permet ça. Regardez ça. Oh! Ah. Allez, on va les laisser tranquille. Voilà, c'est pour augmenter un peu la ferveur. Faudrait que je... j'en pousse un... Oui ? Tout est péri. Je n'ai plus que la peau sur les os. Je vous en prie. Il y a quelque chose à manger ici ? Ah ouais ? Mais... faut que je vous fasse encore à bouffer ? Oh ! C'est pas grand chose à manger, j'avoue. Attendez, attendez. On va regarder. On va construire une parcelle agricole. Oh, je peux recevoir un nouveau, une nouvelle récompense du totem de la bouffe. Quick. Ah. Belle statue taillée dans la pierre. D'accord. J'ai une déco, du coup. Je sais pas si j'aurais préféré, mais c'est l'esthétisme, c'est bien. J'ai eu des baies, du coup. Je vais faire un plat. Faut que je cuisine, j'avais oublié. Est-ce que... attendez, faut que je vais au coffre en fait. Ils ont récolté des trucs dans le coffre, non? Ah, il y avait rien d'autre. Ah, on va construire un... c'est où? On va construire une parcelle de agricole. Fois décoration adepte, j'imagine. Là, voilà. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Genre. Je sais pas moi. Peut-être pas trop loin du coffre. Peut-être pas trop loin de la bouffe sinon. Ici. Mais c'est tout petit. Voilà. On veut tous construire. Je vais refaire d'autres plats en attendant. Je pensais qu'ils se faisaient à manger tout seul tant qu'ils avaient les compos, mais en fait non. Je suis mon propre doudou. J'ai la dalle, c'est le nom d'un resto dans la ville à côté de chez moi, no joke. J'ai la dalle. C'est trop bien. J'aime beaucoup. Voilà. Faut que je fasse au moins 5 plats, je pense. Bien, c'est déjà barré loin. Ouais, bon, il y a des rebelles quand même. Y'a que toi qui l'as créé la bouffe. Vraiment, je peux même pas enrôler de cuistot. Ou en tout cas, pas maintenant, j'imagine. Ok, ok, bah je comprends pourquoi ils avaient faim. J'ai fait un peu à l'arrache. Hop. Ah, j'ai pas assez de baies. J'ai pas assez de baies. Ah, ils s'engueulent. Qu'est-ce qui se passe? Lix est... c'est qui? Lix est la première hantée. Il s'engueule. Ah, ils sont trop à faire du bois, je crois. Ouais, ils sont trop. Infernalou. On va faire... la pierre. Ouais, ce sera mieux. Est-ce que je peux construire d'autres trucs? Et on peut faire un petit statue en pierre, hein. À côté du totem. À côté du temple. Ça me semble approprié. Voilà.
Ah bon. Fais quoi toi? Oh, quête terminée. C'est véritablement incroyable. Oh, du coup ils sont tout contents parce que j'aurais donné à manger. Quoi? Dis à Grisou. L'endroit ici dégoûtant. Vous ne faites pas de ménage? Vous êtes tombé malade. Ah bon, il est dégoûtant, mais ça? J'ai pas vu de caca, hein. Ah d'accord, là il y a un caca. Le mec, j'ai au moins un truc. Tu vois, mec, il y a au moins un truc que tu dois faire, sinon tu passes ta vie dans les donjons. Oui, c'est pas faux. Mais je me suis dit, voilà. En vrai, si tu gères bien tes choix, tu auras peut-être un substitut à ça. Ok. Ok, ok. Merci pour les tips. Faut que je nettoie des caca. Je vois pas d'autres caca. Alors, c'est derrière des cailloux. Ah oui, là. Oh bah oui, mais dis donc, j'en ai plein en fait. Anniversaire Grision. Ah oui, t'as attendu 23h59 pour lui souhaiter. Du coup, ça me donne des fertilisants. C'est bien ça. Je peux les mettre là, les fertilisants? Ah, mais j'ai pas planté, j'avais pas planté. Voilà, j'avais pas fait gaffe. Ils ont resté un ou deux caca parce qu'il y avait pas Grisou qui est venu me dire « Ah, merci d'avoir refait ce que je vous ai demandé. » Là. Et en dire plus. J'ai peur de virer au spoil. Ouais, t'inquiète, je découvrirai, je découvrirai. Mais c'est gentil pour les infos. Même pas faire. Il y a des caca partout, je peux pas faire caca dans les 800 tranquilles. Si, mais faut ramasser après. J'ai pas tout nettoyé là, sérieux? Je me saoule. Voilà, je mets du fertilisant si je peux. C'est bon là? Non, c'est pas bon? Tout à l'heure, c'est ce qu'elle est venue faire, hein. Quand j'ai fait la mission, elle m'a dit merci et tout ça. Là, elle me dit rien. Et je vois vraiment plus rien, du coup... Ah si, c'est bon. Au boulot. Ah, j'ai interrompu une conversation, alors du coup, il est tout vénère. Ah, voilà. Ok, est-ce que je peux faire des plats en avance? Et puis on va se barrer dans un donjon. En faire qu'un, j'ai l'impression. Allez, capture! Bordel! Bon, c'est pas grave. Ah, t'as dit. Il manque pas grand chose, allez. En fait, je sais pas ce qu'il manque. Je vois pas. J'arrive pas à comprendre cette barre. Ah. Du coup, je peux débloquer un truc. Bac agricole. On va mettre une fosse, parce que je pense que j'en aurai besoin rapidement. Ok. Ouais ouais, j'avais pas vu en fait la bulle sur la tête. J'ai rien vu. Bon bah c'est cool. La fosse, peut-être pas la construire maintenant tant que j'ai pas besoin. Ah si, peut-être quand même. Moi, j'ai pas de sous. Bah on va aller faire un donjon. On est parti.
Adopter la doctrine. Ah oui, j'ai pas fait, j'ai pas adopté de doctrine. J'attends qu'il fasse jour. Parce que je pense que ça va les réveiller et ils seront énervés si je les réveille, imagine. Eh, vous vous réveillez ? Ouais ! Eh, copains ! Venez, on va prier. Venez, vous allez me prier. Mais comment j'adopte de nouveaux trucs ? Hôtel du temple. J'ai couronne ou sermon ? Les couronnes, les doctrines, c'est ça ? Ah, adopter la doctrine, d'accord. Utilisez une pierre de commandement pour adopter une nouvelle doctrine. Ça, je fais. Il doit fertilisant. Danser autour du feu afin d'augmenter la foi. Ok, j'aime bien ça. Mais on a un feu ? On a un totem, mais on n'a pas un feu. Hey. 25 quoi os. Allumons un feu de joie et dansons ensemble toute la nuit. Il faut 25 os et 10 bois. Mais j'ai pas d'os. On va danser. Un rituel. Ok. Bon, un petit sermon. Merci. Ah. Prononcer des serments, accomplir des rituels et satisfaire les besoins des adeptes permet d'augmenter la foi. Pour accomplir un tel rituel, il te faudra utiliser des os à tes ennemis. Détruis leurs squelettes pour récupérer leurs os. Retourne sur la terre de vieilles croyances, collecte les os et de tes adversaires morts au combat. Recrute de nouveaux adeptes, puis reviens ici pour accomplir un rituel dans le temple. Trop bien! Bon, il me faut des os, de toute façon. Récupérez des os sur les cadavres des hérétiques afin d'accomplir des rituels dans votre temple. Il a passé un temple. Temple Oxotar. Bon, bah, je vous laisse les petits loups. Soyez sages, soyez pipous. Pas beaucoup de bouffe par contre, ils vont avoir faim. Mais bon, bah, en y allant, on va peut-être trouver de quoi se nourrir. On y va. Let's go. Ça fait combien de temps pour la VOD ? Ça fait 1h48, je l'arrête maintenant et je recommence une tout de suite. Au revoir VOD, bisous, bye bye.